Vouloir passer de l'autre côté, c'est la légende. Page 123 de ce bouquin qui est toujours, toujours, oui, disponible, voyez, mais qui fut peu vendu, qui n'a pas été présenté dans la dépêche du midi, non, rassurez-vous. Donc, passer de l'autre côté, oui, c'est. On veut souvent tous passer de l'autre côté, peut-être. Voilà, là, c'était un canard, un jeune canard. Pourquoi a-t-il voulu passer de l'autre côté? Parce que l'herbe était plus attrayante? Je ne sais pas pourquoi. On veut parfois passer de l'autre côté. À côté, il y avait les pruneaux d'Agen et les chênes qui poussent dans la pierre. Et certains continuent de voir passer de l'autre côté. Mais de l'autre côté, parfois, on n'en revient pas. C'était une des photos de ce bouquin, toujours disponible, qui montrait le département autrement. Mais ça n'intéresse pas toujours. Mais déjà, pour que ça intéresse, il faut que vous sachiez que ça existe. Donc ces petites vidéos sont aussi là pour ça. C'est dans ce bouquin, l'autre livre d'art, que fut pour la première fois présentée cette photo. C'était alors en noir et blanc, car c'est. Oh, voici un bouquin dont le titre ne plaît pas aux libraires. Oui, il y a encore beaucoup de libraires en France, ne plaît pas aux écrivains qui veulent être chez les libraires. Thich Nhat Hanh est reparti au Vietnam. Le moine bouddhiste y était né. 11 octobre 1926. Le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, la secrétaire d'État à la transition écologique, Madame Brune Poirson, regarde la télévision. Donc, suite à une émission capitale, l'émotion aurait été à son comble. La destruction de machines à café, télé, jouets, couches aurait ému. Bien plus que la destruction des bouquins. À chaque instant, gardez cette question présente à l'esprit. Que dois-je faire de façon à n'avoir aucun regret au moment de mourir? 4, 3, 2, 1, pause, terre, haut. 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà. En ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors. Pigeonnier lotois. Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité, et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe 2. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, alors que.